Le rallye Aïcha des Gazelles, c'est un rallye essentiellement féminin. C'est un rallye à l'ancienne, avec carte et boussole. Et le principe de ce rallye, c'est de faire le moins de kilomètres possible en ralliant des points sur la journée. Et le rallye a aussi une dimension humanitaire. Il est suivi par une caravane médicale, Cœur de Gazelle, qui apporte soins et dons aux populations reculées du Maroc, selon les villages que nous traversons pendant le rallye. Amel et Florence s'entraînent depuis 2 ans maintenant en vue de leur participation au rallye Aïcha des Gazelles 2022 qui se déroulera du 18 mars au 2 avril au Maroc. Concrètement, on va faire des cours, dans un premier temps, des cours théoriques sur le maniement de la voiture, l'utilisation de la voiture. On va aller ensuite mettre en pratique la théorie sur les terrains avec l'équipage. Sur ce site, on a 2 terrains dédiés à ça, donc un terrain de SUV et un terrain 4x4, de conduite 4x4. Déjà, c'est une passion chez moi, j'ai fait plusieurs raids aussi africains et elles sont elles sont très motivées. Voilà, c'est ce qui me donne envie d'accompagner cet équipage. Si la pandémie les a ralentis, leur motivation est restée intacte. Elles réalisent leur formation sur le circuit départemental du Var, situé entre les communes des Maillons et du Luc. On a de la chance aussi d'être accompagnés de sponsors qui nous ont suivis malgré toute cette période qui a été compliquée, des annulations et des reports du rallye. On remercie tous nos partenaires actuels et même futurs. On est actuellement inscrite, on a réussi à passer cette première étape. Ce n'est pas la dernière, donc on continuera jusqu'au bout. Donc qu'ils puissent nous suivre sur les réseaux, les 2L, Rallye Aïcha des Gazelles, sur Instagram, Facebook. Et on a un beau site internet aussi. Voilà. RCB Radio.